Hello tout le monde et hello Nigloland et pas Disneyland. Et bien c'est une première pour moi, j'ai tellement hâte de découvrir un nouveau parc d'attractions. Vous allez voir aujourd'hui en plus, qui plus est, je ne suis pas seul, vous allez découvrir dans quelques instants peut-être le 3ème ou 4ème parc de France. Il y a des nouveautés de l'année dernière avec des nouvelles attractions, on va avoir peut-être la meilleure coaster de France qui est ici. Ah je suis trop content, ça fait longtemps que j'ai pas découvert un parc, ben, ça va faire un an. Welcome. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart. On vient de rentrer, alors pour toute honnêteté, merci à Nigloland de nous inviter à tous. Et j'ai même le plan du parc, on voit le Maxime. Et première fois que je suis à un autre parc que Disney avec toi. Ça c'est vrai, c'est une première. J'espère que je vais pas te saouler. Hein. Pourquoi tu me saoules? Bah je sais pas, j'ai trop content. Tu vas être mon guide aujourd'hui Max. Hein. Bah, en réalité mon premier vlog, donc c'est plutôt Jérôme notre vrai. Ah oui, il y a Jérôme là. Bonjour Jérôme. Salut. Voilà, bienvenue à Nigloland. Ah Nigloland. 35 ans hein. 35 ans, 50 plus qu'un autre parc. Exactement, on dira pas lequel. Attends, le plan, c'est ta première visite en plus. C'est ma première visite. Eh, c'est grand hein. Eh, regarde qui c'est. Oh non, moi je veux une photo, c'est qui? C'est Niglo! Oh non, c'est trop mignon, c'est un roi en fait. Jérôme du coup, qui connaît beaucoup le parc, vient de m'expliquer l'Eden Palace qui était le... C'est le Legacy, c'est le musée de City Hall un peu à Disneyland. Voilà. Et sur l'histoire de la famille qui était des anciens forains. Famille Gélis. Gélis, je ne les connais pas du tout. Ah bah écoute, on aura l'occasion de rencontrer Rodolphe tout à l'heure, qui est l'actuel propriétaire du parc. Ah ouais? Ah non mais alors là, c'est visite VIP. Ah c'est comme si t'avais Walt Disney qui venait de voir. Ça c'est chicose quand ouais, même. C'est, hein. C'est d'une propreté. C'est très important l'accueil dans un parc. Ouais. Et quand on rentre et que c'est propre et que c'est beau et que c'est bien entretenu, ça je valide. Par contre, j'ai pas de ears, je suis très perturbé. Ah mais attends, mais on va aller t'acheter un chapeau Niglo tout à l'heure. Alors première attraction, ce sera le manoir hanté, 5 minutes d'attente. Juste à côté on a la tour la plus haute de France, on vient de me dire 100 mètres de haut. Agréable surprise, c'était mignon. Moi j'aime bien. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire, c'était juste hanté. Ils ont dit du manoir, de la cave jusqu'au grenier. Et j'aime beaucoup la technologie avec quand ça tourne de partout et tout. J'ai vraiment eu peur à des moments. La vidéo, je fais oh putain. Nous arrivons maintenant dans le quartier du coup américain. Las Vegas, ça c'est ma vie Las Vegas. Hein. On a donc bah, pas Autopia mais tout comme. On est sur la route 66. Oh le jukebox là-bas. Ah non c'est la pieuvre du parc Astérix version du... Ça je veux le faire. Ça, j'adore cette attraction. Musique de l'attraction de Jukebox là, mais je peux passer ma journée là-dedans moi. J'adore cette espèce de rock américain. Je suis complètement fan. Oh, j'adore. Yeah, blood.
on se dirige vers l'attraction spatiale de Space Mountain. C'est dans un... c'est un coaster en intérieur. C'est où l'entrée? C'est où l'entrée? Ah, c'est là? Ah oui. Ah ok, d'accord. Ok, 5 minutes d'attente. Let's go! Et ça, ça c'était une tuerie. Ça c'était mieux qu'Astérix. C'est parti. C'est un peu... c'est-à-dire que Europa Park, c'est la montée, c'est comme le temps de... Ah oui! C'est interminable! Ça s'arrête quand le truc? Oula! Ah, c'est court! Ça secoue! Bon les amis, c'est l'heure de faire l'attraction du parc ici, l'Alpina Blitz. Regardez, ça va être ça là. C'est immense. Il paraît que c'est l'un des meilleurs coasters de France. J'ai très hâte. On a l'autorisation exceptionnelle de pouvoir filmer à l'intérieur. Du coup, je suis encore plus heureux de pouvoir partager ma réaction en direct live. Oh my god! On est dans la partie du coup alpine maintenant du parc. Ça, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de trucs comme ça sur Planet Coaster. Je trouve ça très joli. Et là, pour le coup, j'ai hâte d'en découvrir plus sur ce land. Yes. Oh, elle est courte, mais trop bien. Le stress. Il y a des airtime. Ah, c'est Redo ça. C'est Chico ça. Oh my god. Oh my god. Wouah ah wouah Il y a un airtime, le truc, on l'a décollé tout du long. Il y a un bon, il y a un très bon. Non, mais il y en a 12 000. C'est génial. La zone est magnifique, donc on est dans les Alpes. Et alors, petit détail que j'adore, la BGM, donc la background music ici, c'est une radio suisse. Mais c'est génial! Genre, en fait, c'est comme si on jouait, on était... On... J'adore. L'immersion est vraiment là, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. I still remember your number. Can say those digits by heart. With that first drink of the summer. Jérôme vient nous apprendre ici, on a une radio. Il paraît-il qu'il joue une chanson qu'on connaît. Max, c'est prêt pour la nouveauté? Bon bah, I'm ready for the ride. I close my eyes. C'est trop bien. Le côté coaster est suffisant. J'aurais rajouté un tout petit peu plus de balade parce que j'adore les boat rides. Adoré.
une attraction que Max me dit que je connais. Ouais, c'est un incontournable des parcs d'attractions en général, c'est, ça va être des Walmart, c'est assez fun. Ça ressemble en Californie et l'attraction qui vient de fermer à Animal Kingdom aussi. Attention. Maintenant de zone, on se retrouve un peu dans ce qui ressemblerait à un Fantasyland ou un côté très enfantin. On va faire le petit coaster ici qui s'appelle Noisette Express. C'est pas trop chico, c'est trop mignon comme nom. J'adore. Ah, franchement, je suis trop fan. Oh, oh non, mais la petite entrée là, regardez. Oh, c'est trop kiki. Easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the icy, loving you is a pony. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy. I'm ready. When you take my hand and I am under your spell, baby, I crave your affection. When I stepped in sweet confection, I need your my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkly. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I love all your candy kisses. And I might be addicted. Oh, 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 I can't have just one. No. Pas de ears, il y avait pas de chapeau, alors j'ai craqué pour une casquette. Du coup, voilà, je suis aimé. Bon, on voit pas mon visage, alors on va la faire à l'américaine. American. À l'américaine. Oh, yeah, baby, baby, baby. Ouh. Elle est magnifique, j'adore la casquette. La casquette est pas mal, regardez. Hein. 17,50€. Les amis, on mange au Canada. Bon appétit. Bon appétit, le Canadien. Bon appétit. Ah, je sais pas faire l'accent, par tabernacle. Contre. Tabernacle. Tabernacle, c'est qu'on va faire le bon miam miam. On va bien manger les ben frites. On vient de finir de manger et alors, on m'a déjà parlé de ce niglo chaud. Il faut le faire, donc on va le faire. Je sais pas si je suis prêt, mais il faut voir. En tout cas, on a très 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 bien mangé. Le plus chaud des chauds, c'est le niglo chaud. Au sol mio, les tortelloni. Why you can do nothing but roll on my blue spectrum. What the fuck, c'était ce truc? J'ai rarement autant ri. C'était fabuleux. It's a must do. It's a must do. On reprend maintenant donc les attractions. Direction le Goldmine Train, le train de la mine. Non, le train de la mine en or. Ah, le train de la mine d'or. Merci Jérôme, il parle mieux anglais que moi, mince. Je vais t'écraser. Gold Mine Train, j'ai écrasé Maxime. Niglo, Niglo Show. C'est le plus chaud de tous les shows, c'est le Niglo Show. Et on pourrait faire la pub, hein. Mais grave de ouf. Eh, eh bien écoutez, c'est l'heure de la rivière canadienne, Mouillados. Premier rang. J'adore l'eau. Ah, j'adore l'eau. Non, mais je vais être mouillé, moi. Ah bah. Ma passion, c'est d'être mouillé. Ah.
c'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti pour le Niglo Show. C'est parti pour le Niglo Show. Ah oui, ah oui. Super froid de votre eau là. Second round. Moi j'ai une question. Oui, dis-moi. Combien de fois tu serais capable de le faire d'affilée comme ça? Non mais je veux faire le reste du parc en fait. C'est vrai. C'est pas que je veux pas. Le retour de vague. Oui, non, mais c'est... Le retour de vague. Nous sommes la vague. Je suis Trempados. Non mais elle est gelée. Il y a des lois qui interdisent ce genre d'attraction avec cette température d'eau. Pour le Grizzly, donc le Disco Bélix du Nigloland, du plus chaud de tous les feux, du plus chaud du... De... Oh là, je sais même plus parler. C'est le froid, ça, c'est le froid. Mais je vais toucher l'arbre. Ça va décoller. On va se prendre la cible. Ah, mais l'arbre! Oh my god! On fait la petite. Oh, attends, le petit. Mais c'est. Oh my god! Look! Look, it's never end! Il nous emmène du coup dans. Donjon, c'est ça? La tour de la mort, on va l'appeler? Le donjon, I'm not ready. I'm not ready. Outa sugar swim, you got what I need. Sipping on the potion, all that kind of motion. Just my kind of heat, keep it on me. T'es prêt? Première fois. Ah, j'ai peur de faire l'autre. Ah ouais, du coup l'autre c'est chaud hein. Oh my god. Please. Ah, j'ai mon frère. J'ai mon crush. Bon. La blague est terminée. 100 mètres. 100 mètres. Ça fait longtemps, mais là je stresse. Alors, là, je stresse. Hein. Il était comment le préparatif? Déjà, parce ça que fait quelque chose. Maintenant, on va faire un truc un peu plus extrême, dirons-nous. Ah ouais, bah écoute, tu vas chercher ma virilité? Bah, elle sera là-haut. Elle va rester là-haut. J'ai peur. Tu nous enverras. Je suis pas hier, bah. Je vais dire qu'une fois, ça va. Mais c'est la plus grande. I'm not ready. Merci Frédéric. Faire rêver, c'était mon métier. Faire peur, celle-ci, hein. God. Quoi, manger la crêpe, tout. Oh my god. Regarde, il est beau le petit bateau. Oh, mais c'est pas le bateau là. Oh, aussi, je déteste. Oh my god. Non, mais la vue est belle, mais. Non, regarde pas en haut. Qui m'envoie une notification maintenant? Je suis pas bien. Ah, non, Kevin, lâche-moi. Allez. Je déteste ça. Pourquoi je suis... À Disneyland, à ma famille. Oh putain. Ah, il y a des notifications. Ah, je suis tétanisado. Quoi? Non, je le refais pas. Ah, il y en a des courageux quand même. Oh my god. Viens voir Max. Viens. Bisous hein. Viens voir Max. C'est long. Hein. Non mais c'est horrible. Oh my god. Why? Mais tout simplement qui appelle le vomi. En vrai, c'est horrible parce qu'on sait pas quand on descend. Si, on sait quand on descend, mais on veut pas voir la vérité. Oui, ça s'arrête de tourner, donc on sait que c'est... Voilà, challenge.
de parler. Oh là, il tient son vas-y. Alors, un monde qui s'illumine. Wow. We're gonna dream a little bigger. Laugh a little harder. Love a little better. Take my hand and show you how. Oh my god! Du coup, ils viennent de m'expliquer, les amis, que en fait, c'est nous qui pilotons littéralement. C'est-à-dire que, en fait, on va devoir contrôler les ailes. I don't know, il fait ce good idea, hein, les gars. Hein. Moi, je sais pas contrôler. Oh, le costume d'aviateur qu'il a, le casque. Oh, génial! Bon, j'ai pris le rouge blanc. Max, il est derrière. J'ai essayé de faire décoller ce truc et faire tourner. Il m'a dit qu'il fallait croiser les pieds, Jérôme, et faire un truc avec les bras chelous. Comment on fait? Mais c'est pas juste. How do you do that? Du coup, round 2. Et alors là, les amis, on va essayer des tournados. Oh, Max, il va y arriver! Oh! Comment s'il bouge? J'abandonne! Les gars, j'abandonne! Il n'y avait pas Minucci. Minucci n'était pas là. Par contre, il y avait du cidre, Max. Bah, on s'est pris un petit cidre. Santé. Il est pas mauvais. Eh ben écoute. On voit ceux qui sont raisonnables, tu vois. Et ceux qui ne le sont pas. Comment ça? Moi, je suis là-bas, toi, tu vois. Mais c'est très bien, mais il y avait marqué cidre, je pouvais pas résister. En vrai, c'est un brut et il est à 4-5%. Bon, mais c'est bien, ça rafraîchit. Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Ça rafraîchit avant Krampus. Les amis, c'est l'heure de retourner à Krampus. Le parc ferme d'ici une petite heure. Il est actuellement 16h30, le parc ferme à 17h30. C'est court, mais on a fait quand même l'indispensable. Et on va refaire tout ce qui nous a fait kiffer. Alors, bah écoutez, suivez-nous, c'est parti. Drinking at the bottle, not thinking about tomorrow. Mais par contre, ça va beaucoup plus vite, hein. Vraiment, hein. Bah, on se fait traîner, en fait ah. Même quand il y a des petites, t'as vu quand il y a des petites trucs, c'était... Ah ouais, non mais. Eh bien, on va retourner à Krampus. Je n'arriverai toujours pas avec ce nom. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller avec les garçons parce qu'on va être trempados encore. Hein. Bah, c'est parti. Ready? Ready for the ride. Le parc se vide, plus de musique. Non, juste le son des oiseaux. C'est comme ça que j'aime le parc. C'est calmos, hein. J'ai envie de faire un... Vous croyez qu'on a le droit de faire un tour pour se balader comme ça ou pas? Franchement, c'est agréable. Ah, on n'a pas fait Africa Cruise. Tu sais ce que ça veut dire? Il faudra revenir. Oh.
Roby, il a pas fait la tour. Oh, oh. Maxime, il a pas fait Krampus. Quoi? Oh, oh non. Fait ça. C'est nouveau ça? C'est nouveau. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est une ancienne attraction qu'ils ont refait. Le... Ok. Mais qui ouvrira fin... au début d'été, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est des moments rares, hein. Ouais, de boire chanter, ouais. C'est rare, hein. Alors, le palais Eden Palais est encore ouvert, donc on va essayer d'aller voir. On m'a dit que c'était la partie musée. Je sais pas si it's possible or not. We're gonna see, we're gonna see. Eden Palace et donc les deux manèges carrousel qui doivent dater de la famille créatrice du parc, qui est donc des forains, et on a un peu toute l'histoire de la famille. C'est un mini muséum, c'est vraiment très très mignon et j'aime beaucoup ce style Belle Époque avec la musique et tout. C'est genre génialissime et je trouve que ça crée vraiment une histoire, une ouais. Ouais, c'est une atmosphère, Max, tu vois, et c'est et tu peux t'installer, manger une petite glace et non génial. Et le cadre est beau, ouais. Et il y a une petite vidéo, donc on l'a pas regardée, mais qui à mon avis retrace un peu le parcours du parc et de l'histoire de la famille propriétaire du parc, parce que c'est un parc qui est encore très familial, ouais. Et ça se sent. Ah oui, et tu sens, ouais. Ah, tu sens clairement que ils sont d'accord dans leur oui. Dans leur conviction, enfin, oui, pas oui, de... non, ouais, c'est non, franchement on kiffe. Alors, la journée ne s'arrête pas là. Nous sommes à l'Hôtel des Pirates. Sachez qu'à Nigloland, vous avez un hôtel, vous pouvez y accéder. Le restaurant est ouvert, c'est là où on va aller se diriger. On a rendez-vous à 19h pour aller manger ici. Alors, ils m'ont survendu ce restaurant. Donc, il paraît que ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte de voir ça. C'est un 4 étoiles. Et vous allez voir l'intérieur, c'est assez surprenant. In the air, from your lips to your legs to your hips to your hair. Sound the alarm and evacuate. I want you to myself, but I can't wait. 98, 99, 100 degrees. You got my number. Like a midsummer heat wave rolling through. Mais attendez, mais je meurs. Regardez, il y a une attraction dans l'hôtel. C'est génialissime. Mais c'est génial. J'adore l'idée. C'est genre. Oh non, je suis fan. Je suis fan air de jeu, et alors là, posado, on kiffe. Clairement, un des meilleurs de cadres, tu sais, pour se poser. Ah oui, non, clairement. Confondu, hein. J'adore cet endroit comme ça. C'est super bien. Sympa. Se là, poser dans l'herbe. Ça, Disney, on serait tous les jours dans cet hôtel. Hein. Ah oui, mais j'aime beaucoup le côté. Mais genre, la ouais. Fête s'arrête jamais en fait. Non, non. C'est génial. Et attention, oui, c'est The Voice, hein, le truc. Hein. Attention. A monkey silimine. Wow, wow. Wow. Attends, ne fais pas tomber le truc. Ça marche. Ça sert à quoi? En fait, ça monte. C'est toi qui jauge. Là, allez bien. On monte encore. Là, je te fais un petit questionnaire Disney, t'appuies. Vas-y, ok, vas-y. Ok. Comment s'appelle la petite souris, l'ami de Dembo? Timothée. Bravo. Je reste appuyé, du coup, et si j'ai faux, on redescend. Qui doit absolument entrer avant minuit? Cendrillon. Qu'utilise Bernard et Bianca pour voyager sur le dos d'Orville? Une boîte de conserve. C'est pas ça? Presque. Oh mince, je sais plus alors. Sardine. Ah, bah une boîte de conserve de sardines. Comment Merlin vient d'acheter ses meubles? Avec ça de la magie? Il les réduit et les range dans un sac. Qui apprend à Bambi à patiner? Fleur? L'autre. Petit lapin. Pampan. Oui! 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 Combien y a-t-il d'attractions à Disneyland Paris? 60. Combien y a-t-il de places assises dans Indiana Jones? 2, 4, 6, 8, 12. Ouais.
bravo. Combien y a-t-il de poupées It's a Small World? Je sais pas. Ah ouais, c'est vrai? Je sais pas dans les reportages et tout. On est monté jusqu'au sommet de l'arbre. Applaudissations. Applaudissations. Alors on va faire la revanche. La première question, comment s'appelle le nouveau show du 30e anniversaire? Un monde qui s'illumine. Rêvons et le monde s'illumine. Comment s'appelle... Premier personnage que Walt Disney a créé avant Mickey. Le lapin chanceux. Le lapin chanceux, le lapin crétin. Oswald. Le spectacle du Roi Lion. Le Roi Lion et... Putain, je l'ai, t'as travaillé là-bas. Oui, bah oui. C'est... Et les rythmes de la Terre. La copine de Donald. Daisy. Oui, vas-y, appuie, reste appuyé. Le train de la mine. BTM. Non, le vrai nom. Bintang Dormanday. Yes. À 15 ans, dans quel parc on est aujourd'hui? On est à Nigloland. Exactement, bonne réponse. Oh ouais, comment s'appelle la copine de Niglo? Land. Niglolette. Oui, bonne réponse. C'est ça. Oh, bah, je sais pas. Combien y a-t-il de poupées à It's a Small World? 437. Bien, bonne réponse. Bravo. Merci, Johnson. Vous connaissez mon amour pour les bars des hôtels? Alors, du coup... En fait, toi, t'es l'homme apéro. L'apéro-man. Oui, mais à consommer avec modération. Exactement, toujours modération. Ouh. Une grenadine italienne. Et puis, il paraît qu'il y avait de la bière locale de Nigloland. Alors, du coup, bah, j'ai pris deux verres. Mais c'est pour goûter, naturellement. C'est pour pouvoir vous dire si c'est bon. Les amis, il est l'heure maintenant d'aller manger à dos. Alors, on quitte la petite terrasse. On a eu de la magie en close-up. On a Jérôme qui m'a fait deviner des trucs improbables qu'il avait deviné. Bref, ça promet. Alors, nous allons maintenant rendez-vous à la taverne des pirates. Alors, c'est parti, suivez-nous. Let's go! Les amis, I am not good. Donc, on est au restaurant. C'est un buffet à volonté. Alors, ils nous ont présenté rapidement ce qu'il y avait. Donc, on a les entrées, les plats, les desserts. Les plats, c'est des cuissons minutes pour la viande ou comme pour le poisson. Les chefs font donc tout à la minute. Le 100% est fait maison pour les condiments, etc. Boissons illimitées, vin inclus dans les boissons illimitées, rouge ou rosé, et boissons chaudes illimitées auprès des serveurs. Bah écoutez, bravo. Bravo. Écoutez les amis, merci à tous pour cette journée. Oh, c'était tellement bien. C'était très bien, tout à fait. Merci à tous, merci à Nigloland encore une fois. Merci à Nigloland de nous avoir invités. Merci à Nigloland de nous avoir laissé filmer dans les attractions encore une fois. C'était un super avantage. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et vous savez quoi? Ciao ciao, ciao.